Seigneur, toi qui as éclairé le firmament par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. Cinquième et dernier dimanche de carême, puisque le dimanche d'après, c'est le dimanche des rameaux et qu'on entre dans la grande semaine. Alors, les textes, il y aurait une semaine d'enseignement pour les commenter mot à mot, donc je vais prendre seulement quelques versets. La première lecture, c'est dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Très beau texte, Jérémie 31, tout le monde connaît, sur l'alliance que le Seigneur vient inscrire au fond de nos cœurs. Et moi, je vais simplement commenter le dernier verset du texte qu'on va entendre dimanche, c'est-à-dire le verset 34. « Tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand, oracle du Seigneur, je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus de leurs péchés. » Donc, il est question mystérieusement d'une époque où on n'aura plus besoin d'être enseigné. Tous connaîtront le Seigneur du plus petit jusqu'au plus grand. Alors, il faut se rappeler que le but de la révélation, de la parole de Dieu, de la descente de Dieu parmi nous, c'est justement pour qu'on connaisse Dieu. Dieu veut être connu. Et il ne faut pas tomber dans le panneau de ceux qui interprètent le livre de la Genèse en disant ben finalement Dieu il n'a pas voulu qu'on mange de l'arbre de la connaissance parce qu'il ne voulait pas qu'on le connaisse. C'est Genèse 2, 17 où il est écrit que Dieu dit à Adam « Je t'en supplie, mange tous les fruits du jardin, tout, sauf un, c'est-à-dire celui de la connaissance du bien mal, tu n'en mangeras pas car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Il s'agissait d'un arbre qui nous persuadait, qui était destiné à nous persuader que nous avions nous-mêmes la connaissance, que nous n'avions pas besoin de Dieu pour discerner. C'est ça, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu veut être connu. Il nous supplie même, connais-moi, viens me rencontrer, apprends à savoir qui je suis. Alors, extraordinaire, hein, Jérémie annonce un temps où tous connaîtront le Seigneur. Dans l'Épître aux Philippiens, voilà ce que dit saint Paul, Philippiens 3, verset 10. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion. C'est ça, connaître Dieu, c'est connaître le Seigneur Jésus. C'est à travers lui et lui seul que Dieu s'est fait connaître. Ou encore saint Jean, dans sa première lettre, chapitre 2, verset 27. « Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin d'enseignement. » Reprend ce qu'a dit Jérémie. L'onction, c'est l'Esprit Saint donné à travers tous les sacrements. Cette onction vous enseigne toute chose, elle qui est vérité et non pas mensonge. Et selon ce qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. Connaître le Seigneur dans l'Esprit Saint. La connaissance de Dieu, saint Jean nous dit dans son évangile quel est le but de la connaissance de Dieu. Elle nous installe dans la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, dit saint Jean, chapitre 17, verset 3. Voilà, ça c'est ce que dit ce dernier verset du texte. Et le Seigneur ajoute par la bouche de Jérémie, « Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus de leurs péchés. » Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire parce que Dieu oublie les péchés. Donc, on est invité, nous aussi, à oublier le passé pour aller de l'avant. Dieu qui oublie les péchés, c'est dit ici, « Je ne me rappellerai plus de leurs péchés. » C'était dit déjà dans le prophète Isaïe, au chapitre 43, au verset 25, « C'est moi, oui, c'est moi qui efface tes crimes à cause de moi-même, de tes péchés je ne vais pas me souvenir. » Et encore la même chose est répétée deux fois dans l'Épître aux Hébreux.
Connaître le Seigneur, c'est connaître la puissance de sa miséricorde et la puissance de son pardon. Et ça suppose aussi qu'on a reconnu son péché, qu'on l'a apporté au Seigneur et que le Seigneur l'a effacé. Il ne peut pas effacer ce qu'on ne lui apporte pas. On apporte son péché, il l'efface et c'est terminé. Il oublie nos fautes. Voilà. Ça, ça veut dire connaître Dieu, connaître quelque chose de Dieu. Et dans l'Évangile, qui est l'Évangile selon Saint Jean chapitre 12, versets 20 à 33, il y a justement Philippe et André qui sont appelés à répondre à la question « Qui est Jésus ?» hein, des Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Et nous voudrions voir Jésus. Ça veut dire on veut savoir qui il est, on veut le connaître. Et donc Philippe va le dire à André, et André va voir Jésus. Alors, en lui disant, il y en a qui veulent te connaître. Et réponse du Seigneur, mystérieuse, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Alors, vouloir... désirer voir Jésus, ça renvoie à la demande de Moïse, hein, qui pourtant connaissait Dieu, Dieu s'était adressé à lui, etc. Mais Moïse, il veut plus. Comme il est dit dans le livre de l'Exode, chapitre 33, verset 18, « Je t'en prie, laisse-moi contempler ta gloire. » Et Jésus dit, « Le Fils de l'homme doit être glorifié. » C'est un peu une réponse déjà à Moïse et puis à ces hommes-là présents qui veulent le voir et le connaître. Et saint Paul dira à propos de cette connaissance de Dieu à travers Jésus, donc 2 Corinthiens 4, 6, « Car Dieu qui a dit « Du milieu des ténèbres brillera la lumière » a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire » qui rayonne sur le visage du Christ. On voit bien que l'écho au texte de Jérémie, c'est connaître Dieu du plus petit au plus grand à travers la gloire qui s'est révélée en Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme. C'est pour ça que Jésus, ensuite, il ne parle que de gloire. Il parle de gloire et de mort et de gloire et de mort. Je saute là au verset 28, hein, parce que c'est vraiment trop long de pouvoir tout commenter. Au verset 28, Jésus parle de la glorification du nom. « Père, glorifie ton nom. » Alors, la glorification, ça veut dire la manifestation maximum du poids de l'amour de Dieu dans nos vies. Je rappelle que « gloire » en hébreu « kavod », ça veut dire aussi « poids hein. ». Dieu qui a du poids dans nos vies, l'amour de Dieu qui a du poids dans nos vies. La manifestation parfaite, c'est la mort du Christ en croix, hein. Le poids maximum, qui est évoqué, pour parler de, si vous voulez, pour expliquer le poids maximum, c'est ce que dira saint Jean au chapitre 13, au moment où Jésus va laver les pieds de ses disciples. Il est dit, hein, Jean 13, 1, avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima au maximum, on pourrait traduire comme ça, au maximum. Il ne pouvait pas manifester davantage son amour. C'est ça la glorification du nom. Alors ensuite, je passe un certain nombre de versets pour arriver au verset 31, où il est écrit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. » Alors, le jugement de ce monde, ben, je vous lis un texte de saint Cyril d'Alexandrie qui médite hein, sur ce passage. « Le jugement s'exercera contre celui qui a violé le monde et non contre le monde qui a souffert l'injure. Le Christ lui-même a dit en effet, Dieu a envoyé son Fils non pour juger le monde mais pour sauver le monde. » C'est dans Jean 3, 17. « Le prince de ce monde va être jeté, il explique deux points, jeté d'où ? De cette principauté qu'il a prise par la violence et de ce royaume qui ne lui appartient en rien. » Satan, prince de ce monde, c'est une usurpation de pouvoir. La royauté n'appartient qu'au Seigneur. Mais Satan est appelé plusieurs fois
dans Saint Jean, prince de ce monde. Alors vous avez ici, vous avez aussi au chapitre 14, au verset 30, désormais je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince de ce monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise. Mais il faut que le monde sache, etc. Il n'a aucune prise. Ça, c'est ce qu'il faut se dire dans la foi. Le vainqueur, le vrai roi, c'est le Seigneur. Et là où Satan règne, c'est pas normal. C'est pas dans l'ordre des choses. Et ça va se terminer. C'est un règne qui est appelé à disparaître. Il est jeté dehors, expulsé dehors, dit le texte ici. Et Jésus, seul roi, va reprendre possession du monde. Il faut toujours se rappeler et répéter sans cesse face à l'impression qu'on a que c'est le mal qui règne. Ça n'est pas le mal qui règne. Au roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le roi des siècles, c'est Dieu. Ça n'a jamais été Satan, qui règne un temps et qui règne d'une manière, comment dire, oui, il est déjà vaincu. Même si ça ne crève pas les yeux, nous y croyons et il y a beaucoup de signes qui nous encouragent à y croire. Jésus reprend possession du monde et en faisant quoi ? En descendant pour nous faire monter. C'est tout le thème de cet évangile de Saint Jean ici. Comme il est écrit en Exode 3,8, rappelez-vous cette très belle prophétie de l'incarnation du mystère de la vie du Christ. Dieu dit à Moïse, je suis descendu pour vous faire monter. Et ici, alors, je vais vous lire un texte de Saint Germain de Constantinople qui explique encore ce texte. « Je ne suis pas venu pour juger ton péché, mais pour te sauver par mon amour des hommes. Je ne suis pas venu te maudire pour ta désobéissance, mais te bénir par mon obéissance. Je te couvrirai de mes ailes. Tu trouveras à mon ombre un refuge. Je chercherai ta vie cachée dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Je n'aurai de repos jusqu'à ce qu'humilié et descendu aux enfers pour t'y chercher, je t'ai reconduit dans le ciel. » Dieu qui descend pour nous faire monter, c'est un amour maximum manifesté en la personne de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Et il annonce ici, une fois que le prince de ce monde sera expulsé, « Moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Alors, élevé de terre, la suite du texte nous suggère, qu'il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. C'est l'élévation sur la croix, élevé de terre. Mais aussi, c'est exactement le même verbe, hupso en grec, qui manifeste Dieu qui a été élevé au ciel à l'ascension. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, au verset 33, vous avez le même verbe en grec, élevé. Par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit qui lui était promis et il l'a répandu. Élevé par la droite de Dieu, élevé bien sûr jusqu'au ciel. Et ou encore, vous avez ce verbe pour parler du Dieu de gloire dans le psaume 148, au verset 13, qui loue le nom du Seigneur, le seul élevé, même verbe, au-dessus de tous les noms, sur le ciel et sur la terre, sa splendeur. L'humiliation de la croix est absolument liée à l'exaltation. C'est ce qu'on célèbre d'ailleurs le jour de la croix glorieuse. Le Seigneur élevé sur la croix, élevé de terre sur la croix, et puis élevé jusqu'au ciel. Et c'est dans ce grand mouvement qu'il veut nous attirer. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Déjà, l'épouse du Cantique des Cantiques avait supplié, Cantique 1.4, « Attire-moi derrière toi, nous courons, attire-moi. » Se laisser attirer par le Seigneur en croix, qui va nous tirer jusqu'au ciel, de la croix jusqu'au ciel. C'est-à-dire que la promesse ici, c'est d'être glorifié avec lui. Je termine avec Saint Bernard. Sur cette croix, celui qui est uni à son Seigneur chante avec douceur. Toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me relèves la tête. C'est psaume 3, verset 4.
Personne ne te cherche, personne ne te trouve, sinon sur la croix. Ô croix de gloire, enracine-toi en moi pour que je sois trouvé en toi. Sœur Claire, merci. So.